Oui. On a l'impression que certaines choses sont gravées dans notre nature humaine. Et c'est celle qui nous pousse ou qui nous inspire à juger les êtres et les choses. Par contre, la nouveauté chrétienne consiste à se méfier des jugements hâtifs que souvent nous sommes incités à prononcer. Ces jugements hâtifs ont quelques gros défauts. Ils sont toujours superficiels et même parfois, hélas, définitifs. Ils ne sont que trop souvent inspirés par des préjugés, par la peur, par l'ignorance et, comme on dit aujourd'hui, par les fake news. La foi chrétienne est présentée au contraire comme un cheminement à la suite de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait qu'il servait le Dieu de ses pères selon la voie que certains appelaient déjà une secte. En suivant la route ouverte par le Christ Jésus, on est constamment amené à bouger. À bouger les lignes de nos propres jugements dans un mouvement dynamique. Il est nécessaire de réviser régulièrement la juste distance vis-à-vis de notre prochain. C'est par exemple ce qu'a vécu l'apôtre Pierre, selon le récit des Actes des Apôtres. En tant que juif fidèle à la loi sainte, il ne saurait jamais entrer dans la maison d'un incirconcis, et qui plus est, un occupant romain. Pourtant, le Saint-Esprit l'a envoyé chez le centurion Cornélius, qui reçut miraculeusement et mystérieusement l'onction de l'Esprit et qui fut baptisé au nom du Seigneur. Le texte rapporte que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Je cite ici le verset 45 d'Acte 10. Désormais, l'évangile de Jésus-Christ n'était plus réservé au seul peuple juif. Il bousculait les frontières et plus tard, il atteindrait notre pays et nous atteindrait nous-mêmes, l'Évangile nous serait annoncé. C'est pourquoi notre premier cantique nous rappelle que nous venons des quatre coins de l'horizon. Le cantique est le 21-19 à la page 252. Thank you.
Une première lecture biblique, nous la ferons dans le livre des Proverbes. Relisez de temps en temps, c'est plein de pépites, plein de choses, plein de sagesse et d'humour aussi. C'est au chapitre 10, les versets 8 à 14 et 19 à 21. L'humain, j'ai préféré humain plutôt que homme, pour ne pas qu'il y ait de discrimination. L'humain au cœur sage fait accueil au commandement. Mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Est-ce là, comme on dit chez nous, il vise comme une brouette. Il parle comme cela qu'est fait. Hein? Un peu pareil. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Oserais-je encore un mot en patois? Ce sera le dernier, je vous le promets. C'est ce que l'on baigne. Il ne faut ni lui donner le baigne. Celui qui cligne de l'œil est cause de souffrance. Et celui qui parle comme un fou court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. On trouve la sagesse sur les lèvres de celui qui a l'intelligence du cœur. Mais le bâton est sur le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. Les sages retiennent la connaissance. Mais quant au fou, il parle et la ruine est proche. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a de la folie dans beaucoup de paroles, c'est une autre traduction. Mais celui qui met un frein à ses lèvres révèle qu'il est avisé. La langue du juste est un argent affiné, c'est le sucre qu'on raffine. Mais le cœur des méchants, il ne vaut pas grand-chose. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de bon sens. Vous n'ignorez pas l'existence des livres qu'on appelle deutérocanoniques, ceux qui n'ont pas été retenus lorsque le canon de la Bible juive, fut fixé à la fin du 1er siècle. L'un d'entre ces livres deutérocanoniques est le seul qui signale le nom de son auteur. Il s'appelait, figurez-vous, Jésus, fils de Sira. Son ouvrage porte d'ailleurs le titre de Siracide. Vous le trouverez dans certaines Bibles. Il se classe dans la catégorie des livres, comme celui des Proverbes, livres sapientiaux. Il s'apparente d'ailleurs à cette littérature. D'ailleurs, vous pourrez à l'instant vous en rendre compte. Je vais, avec votre permission, je l'espère, lire quelques versets du Siracide. N'allez pas raconter ça aux frères évangéliques qui seraient choqués. Quand on secoue un tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. Ah, décidément. On juge
l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments cachés. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Avant de vous inviter à un moment de prière, je me permettrai d'ajouter à ce qui vient d'être lu quelques commentaires. Un psychologue qui eut son heure de notoriété il y a au moins 20 ans a formulé une expression qui me semble inspirée par cette sagesse biblique ou parabiblique. Voici ce qu'il disait. Tais-toi quand tu parles. Contrairement à ce qu'on croit entendre, cet observateur de l'âme humaine n'invitait pas les gens à se taire. Tais-toi, non. Mais à réfléchir avant de tenir des propos qui risqueraient de les trahir. Tu es toi quand tu parles. Voilà ce qu'il faudrait dire correctement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mon père, qui, comme vous le savez, vous vous en souvenez, n'avait pas sa langue en poche, m'a transmis le virus du verbiage. Il m'a pourtant, et à juste titre, prévenu que je devrais rendre compte pour toute parole vaine, c'est-à-dire vide de sens. En préparant récemment un service de funérailles, je relisais le conseil qui était donné à l'officiant de service. Il s'inspire d'ailleurs du dernier verset que nous venons de lire dans le Siracide. L'officiant, ignorant souvent certaines particularités du caractère ou de la vie du défunt que l'auditoire peut connaître, évitera dans la prédication tout ce qui ressemble à un panégyrique. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais il est dans la liturgie de l'Église réformée. Par contre, il est des moments où il faut parler librement. Je dirais même plus, il faut se libérer complètement. C'est ce qu'on appelle les temps de prière. N'oubliez pas que nous parlons à notre Père. On peut tout lui dire, même s'il nous prend pour un fou, pas d'importance, il nous aime. Nous prions. Pardonne-nous, Dieu. Pardonne à chacun de nous la distance que nous mettons entre nous et ta volonté. Nos cœurs sont si obsédés de nous-mêmes que nous ne pouvons faire le bien sans y mettre le mal, ni aimer sans y mettre de l'égoïsme. Pardonne-nous d'offenser si souvent ta sainteté. Pardonne-nous d'oublier notre prochain. Pardonne-nous de penser à toi si souvent comme notre protecteur et si rarement comme notre Seigneur. Pardonne-nous d'avoir une foi si chancelante, une espérance si fragile, un amour si pauvre. Pardonne-nous de te donner une heure et de garder pour nous toute notre vie. Veuille avoir pitié de nous, non pas parce que nous le méritons ou que nous te le demandons, ni même que notre repentance soit suffisante pour effacer nos fautes, que ton seul pardon efface. C'est là la grâce qui nous sauve. Aie pitié de nous, au nom de Jésus-Christ. Fais de notre chair et de notre pauvreté d'être
davantage solidaire. Au nom de Jésus, qui a vécu si purement la vie humaine, au nom de Jésus, mort, ressuscité, vivant et intercédant pour nous, accorde-nous avec ton pardon la grâce d'une vie simple et fidèle à la seule gloire de ton nom. Nous poursuivrons, si vous le voulez bien, ce temps de prière en chantant un cantique qui se trouve à la page 650, le numéro 4312. Alors, Abba, c'est tout simplement Papa dans la langue du Seigneur. Abba Père. Cantique 43:12. Il y a bien longtemps, un prophète visionnaire osait écrire ceci de la part du Seigneur. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera, dit le Seigneur. Oui, je vous purifierai de toutes vos saletés, de toutes vos souillures, de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur vibrant de miséricorde. Je mettrai en vous mon esprit. En écho à cette promesse, l'apôtre Paul pouvait aussi écrire: nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Dieu et nous l'avons chanté, Père. Quelle libération de parler à celui qui peut tout, qui sait tout, et de lui dire Père, de le tutoyer. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Eh oui, voilà. C'est le don, le cadeau merveilleux qui est fait à celui qui l'accepte. Alors, bon, nous pouvons chanter, n'est-ce pas, notre reconnaissance. Et le cantique se trouve à la page 501. C'est le numéro 3604. Et là, nous chanterons, il y a trois strophes. On va chanter les trois strophes, si vous voulez bien. Thank you.
enthousiasme, vous avez même chanté la quatrième strophe, et je vous en félicite. En effet, dit le psalmiste, il est bon de louer l'Éternel. Ah, là je crois que peut-être j'aurais pu demander à un liturge de lire ce psaume 92. Oui, tu veux le faire, Cathy? Merci, ma fille. Donc le psaume 92, les versets 2 à 7. Il est bon de te louer, Seigneur, et de célébrer ton nom, toi le Très-Haut. C'est bien d'annoncer ta bonté dès le matin et ta fidélité pendant les nuits. L'instrument à 10 cordes, le luth, et le doux son de la harpe conviennent pour ce temps d'adoration. Tu me réjouis de ce que tu accomplis, divin Créateur, et je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, notre Dieu éternel, que tes pensées sont profondes. Celui qui n'y connaît rien est un idiot, et celui qui n'y comprend rien est stupide. Et nous prolongeons cette lecture par le cantique 92, les strophes 1, 2 et 4. Oh, que ces choses belles! Cantique 92. Deuxième lecture nous est proposée pour ce dimanche et nous la trouvons dans l'épître de Paul aux Corinthiens. On peut considérer ces quelques versets que va nous lire très gentiment Cathy comme une confession de foi, la source de notre espérance. Nous écoutons l'apôtre Paul. Donc la première épître aux Corinthiens, les chapitres 15, les versets 54 à 58. Frères et sœurs, au dernier jour, lorsque ce corps périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole des Saintes Écritures. La mort a été engloutie par la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes aimés, soyez fermes.
Soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est jamais perdue. Et Christian nous suggère de continuer par le cantique 4707 à la page 736. Les strophes 1, 2, 3. Donc page 736, 4707, les strophes 1, 2 et 3. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous ? Encore. Ta parole, Seigneur, est acérée comme une lame, brûlante comme le feu. Nous t'en prions maintenant que nos cœurs ne se dérobent pas à cette blessure, car en l'acceptant de ta part, nous vivrons aussi la guérison et la paix de notre âme. Amen. La lecture que Didier va nous faire, vous allez le voir, c'est comme une lame. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 39 à 45, voici une autre parabole que Jésus raconta à ses disciples. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un fossé ? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui te gêne la vue, toi qui ne vois pas, car une poutre t'encombre les yeux. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de tes yeux, alors tu verras clair pour enlever la paille qui gêne la vue de ton frère. Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un arbre pourri de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de mauvaises choses, de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais
tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. En préparant le commentaire de ce texte, n'est pas facile. J'ai pensé à une personne qui se reconnaîtra. D'où Jésus. Ce n'est pas ainsi que j'ai envie de t'appeler, après avoir entendu la manière peu amène avec laquelle tu t'adresses à tes disciples. Et puis, il faut que je te le dise, cher maître, aujourd'hui, dans notre société du politiquement correct, on ne parle plus des aveugles, mais des malvoyants, ou encore des non-voyants. Tu risquerais d'être accusé d'ostraciser des personnes porteuses d'un handicap majeur. Sais-tu que ces personnes pourraient même porter plainte? Tu découvrirais que les fameux droits humains dont on nous rabâche les oreilles apparaissent de plus en plus comme des menaces sournoises contre la libre parole. Mais, cher Jésus, je n'ai pas la prétention de t'apprendre quoi que ce soit. Tu savais que ta parole de vérité allait t'amener bien des ennuis et surtout beaucoup d'ennemis. Nous vivons une époque où beaucoup ont le sentiment prétentieux qu'avec eux, on a tout inventé. On prête une grande importance à ce qu'il est convenu d'appeler les influenceurs. Figurez-vous que ce mot n'est pas encore entré dans le dictionnaire. Pas plus qu'un autre vocable qui désigne des millions de nos contemporains qu'on appelle les followers. Je ne sais pas si je prononce bien. Tout ce vocabulaire imprégné de sauce anglo-saxonne est comparable à l'herbe des champs qui apparaît au printemps et que la chaleur de l'été aura tout fait de brûler. La mode, ça vient, ça passe et ça trépasse. Mais Jésus, je te vois sourire. Ne vous l'avais-je pas dit? Ce sont des non-voyants, il est correct là, qui prétendent dicter la voie royale, celle des stars qui mène à la gloire. Hélas, ils sont si nombreux à évoluer dans un monde ténébreux qu'ils sont prêts à suivre la première étoile qui les éblouit. Et Dieu sait qu'il y en a un sacré tas sur la toile. En t'écoutant bien, Jésus, il faut reconnaître que là encore, tu avais fichtrement raison. Tous ces gens prétendent que notre monde très savant est conduit par la raison. Pourtant, et nous allons y réfléchir cet après-midi, de plus en plus d'experts qui, ne se veulant rien des prophètes, avertissent tous ces gens aveuglés, influencés, manipulés, qu'on va tomber dans un trou. Dans ma fougue passablement prétentieuse, j'ai omis de signaler que l'enseignement de Jésus, transmis par l'évangéliste Luc, s'adressait à ses disciples, pas aux influenceurs ni aux followers, à ses disciples. Il est donc absolument nécessaire que je me laisse examiner, moi qui me prétends disciple, par le maître qui fixe bien dans les yeux son disciple. Celui-ci aurait intérêt à faire profil bas.
Et pour le coup, je vais en prendre pour mon grade. Je regardais de haut les malvoyants se laissant mener bêtement par des non-voyants. Je me croyais déjà autorisé à juger. Figurez-vous qu'un instant, je me suis retrouvé dans la position de celui qui se croit clairvoyant. Imbu d'un peu de savoir, je me permettais d'en mettre plein la vue à mon prochain. Cette fois-là, Jésus, tu ne m'as pas raté. Tu m'as véritablement aligné. Sale hypocrite que tu es, moi qui parle. Tu joues la fraternité, mais tu n'es qu'un faux frère. Et cela, il ne me l'a pas dit une fois, mais deux fois. Vous l'avez remarqué, en recopiant ce passage, je croyais m'être trompé. Eh bien non. Les versets 41 et 42 sont quasi identiques. Vous l'avez entendu. Pourquoi l'évangéliste Luc, habituellement très attentif à soigner sa rédaction, a-t-il laissé passer ce que d'aucuns considéreront comme un doublon pléonastique? Ce qu'on retiendra de cette répétition, c'est qu'elle est sortie du monde strictement biblique pour tomber dans ce qu'on appelle le domaine public. Un grand nombre de gens connaissent et emploient cette expression très imagée de la paille et de la poutre, sans savoir, hélas, que c'est Jésus, c'est à lui qu'ils doivent cette sagesse, cette pondération, pour ne pas dire cette modération dans leur jugement. Mais entre nous, ce qui importe, ce ne sont pas les droits d'auteur, mais la pertinence de ce propos. Ce qui me séduit, c'est la pérennité de la parole de Jésus. Cette parole qui a franchi les siècles et les frontières. Et là, je pense à ce texte que nous avons lu. La bouche du juste est une source de vie. On pourrait même ajouter une source de vie éternelle. C'est ce que disait le livre des Proverbes déjà. La métaphore de l'arbre qu'on reconnaît par ses fruits, chers à Jésus, est aussi devenue une maxime universellement citée et reconnue. Il est regrettable que nos jugements hâtifs n'aient pas pris le temps d'observer l'évolution des personnes et des choses avant de prononcer un jugement définitif. Il est regrettable que ces jugements-là n'aient pas pris le temps de l'observation. Pour une vision juste, il faut de la patience. En cela, le Seigneur est passé maître, comme nous l'enseigne une autre parabole de Jésus, celle du bon grain et de l'ivraie. Attendez, semblait-il dire à ceux qui voulaient arracher la mauvaise herbe tout de suite, vous risquez de tout perdre. C'est parfois ce que certains disciples trop zélés ont prôné. Je parlerai dans ce cas et dans leurs propos d'une épuration éthique. Ils rêvaient de communautés parfaites. En fait, ces initiatives n'ont abouti qu'à des communautés, à des mouvements sectaires, où les jugements, les condamnations, les excommunications étaient la règle, la loi.
Je ne crois pas à ces églises-là. Et j'ose croire que Jésus non plus. Lui qui aime l'Église, au point d'avoir donné sa vie pour elle, c'est que précisément lui-même, et pas un autre, voulait la sanctifier et pas l'épurer. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi celui qu'on appelle l'époux, Jésus, n'est pas venu enlever tout de suite son Église bien-aimée? Pourquoi a-t-il attendu près de 2000 ans? Il n'est pas encore venu, n'est-ce pas? Il y a, ce me semble, un commencement de réponse dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 9. Je vous lis cela. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent et se permettent de l'affirmer. Non, attendez la suite, parce qu'il y a une suite, j'espère la trouver, parce qu'elle est ouf, vous voyez, quand on travaille tard, il arrive qu'on s'en mêle dans les papiers. Bon, ben écoutez, où est-ce qu'elle est la suite? Ah oui, je me souviens maintenant. C'est ma dernière page. Et je l'ai mise tout à la fin. La voici. Voilà. Ça valait la peine d'être patient. Comme le recommande l'apôtre Pierre. Il précise sa pensée. Le Seigneur ne tarde pas. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je ne vous cacherai pas que ces paroles m'interpellent. Et j'entends cet appel à la repentance. Et je remercie le Seigneur pour sa patience à mon égard, je le confesse. À l'instar de l'évêque de Rome, je vous demande, chers frères et sœurs de la paroisse de Carnion, de prier pour moi, afin qu'il poursuive notre cher Seigneur Jésus, qu'il poursuive dans ma vie son œuvre de sanctification. Puisse le Seigneur entendre votre prière. Je vous en remercie. Il est besoin et nécessaire d'une petite respiration musicale avant de nous préparer au repas pascal qui pour nous deviendra le repas du Seigneur. Désormais, nous ne pourrons pas oublier de sitôt la force des mots. Il suffit de relire la première page de la Bible pour réaliser que certaines paroles
ont une véritable puissance créatrice. Dieu dit, et la lumière fut. Dieu dit aussi, et le ciel apparut. Dieu dit encore, et la terre émergea. Même les astres des cieux se sont soumis à sa parole. Mais l'exception n'a pas tardé. Un couple humain que le Créateur avait mis tant de soins à modeler a commis l'erreur majeure de ne pas obéir à la parole du Seigneur. Un des fils de ce couple, lui non plus, n'a pas cru bon de suivre la parole de prudence que le Seigneur lui a adressée. Le pire est survenu. Mais le Seigneur reste un Dieu de parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Quand il promet son alliance à Abraham, il ne s'en dédie pas et elle s'étend de génération en génération. Cette parole devient même visible et vivante, lumineuse et aimante. Pourtant, ceux qui devaient l'accueillir avec empressement l'ont proprement rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont accueillie et qui y ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par une naissance nouvelle, celle que transmet le Saint-Esprit de vie. En Jésus de Nazareth, la parole de Dieu s'est fait largement entendre. Elle était accompagnée de signes et de miracles. Elle se voulait à la portée du plus grand nombre. Des foules sont accourues car elles avaient besoin d'autre chose que de discours creux. Elles avaient besoin d'une parole de vérité car elles avaient le sentiment d'être égarées et trompées. Les disciples ont cru bon de suivre le prophète de Nazareth, car ils avaient acquis la conviction que ce Jésus venait de Dieu, qu'il parlait avec autorité. Quand ce Jésus parlait d'amour, il en portait les preuves. Quand il a déclaré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il l'a fait. Peu de temps avant de passer à l'acte, il a réuni les siens pour un repas. Il voulait abreuver leur soif, nourrir leur corps, mais surtout rassasier leur âme. La tradition juive voulait qu'il y ait au menu de la Pâque des coupes de vin. Jésus se saisit de l'une d'elles, prononça les paroles de bénédiction et l'éleva aux yeux de tous. Il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Lors de la Pâque, qui devait célébrer le Dieu libérateur, on servait des pains sans levain, qui rappelait aux Juifs beaucoup de souvenirs. C'est alors qu'il prit ce pain, qu'il remercia le Seigneur, ce Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins. Il le rompit et l'offrit à tous ceux qui étaient avec lui pour qu'ils le mangent. Sachant que ses signes et ses gestes ne suffiraient pas pour que tous comprennent, Jésus prononça les mots que nous n'oublions pas. Ceci est mon corps brisé. Il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, il prit encore une coupe, la leur donna et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous avons appris l'efficacité de ta parole. Elle est loin d'être sans effet. Elle peut parfois être tranchante comme un glaive. Nous te demandons de nous rendre attentifs à tout ce que tu nous dis. Donne-nous de ne pas seulement l'entendre, mais surtout de l'écouter et de la mettre en pratique. Seigneur Jésus, notre frère,
en réunissant les tiens autrefois comme aujourd'hui, accorde-leur la grâce de prendre toute la mesure de ce que tu leur offres. Toi qui as donné ta vie pour nous, permets qu'ayant repris des forces à l'occasion de ce repas, nous soyons plus que jamais des témoins efficaces pour l'avancement du règne divin. Esprit Saint, promis par le Fils et envoyé par le Père, inspire-nous pour que les paroles que nous venons d'entendre touchent non seulement notre intelligence, mais surtout notre volonté. Esprit de sagesse et de force, donne-nous de discerner dans le pain et dans le sang de la vigne, le corps et le sang du Christ, afin que nous soyons de plus en plus victorieux du mal. Amen. Jésus raconte dans une de ses paraboles qu'un roi avait organisé un grand repas pour les noces de son fils. Il avait choisi des invités de marque, des VIP. Le temps du festin arriva et les invitations se furent plus pressantes. Mais hélas, tous ces invités se sont désistés. Oh, ils avaient tous de bonnes excuses. Mais puisque la table était dressée et les mets préparés, comme le maître n'aime pas gaspiller, il a rassemblé les pauvres, les boiteux, les sans logis, les rejetés. Nous savons qui se cache derrière ce grand personnage. Ce matin, il lance encore une invitation. Certains diront qu'ils n'en sont pas dignes. Et Jésus leur dira, « J'ai payé ta place. Pour toi, c'est grâce. Viens. » Les troncs du 20 février 2022, dans le tronc central, il y avait 66,50 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 235 €. Et le second tronc de ce jour est destiné en entretien général. Quelques dates. Le consistoire se réunira en séance extraordinaire le 4 mars et en séance ordinaire le 11 mars à 9h30 toujours. Le conseil d'administration vous invite à une journée de travail le 12 mars à partir de 8h. Le 12 mars, c'est bientôt. Le conseil de diaconie, lui, vous invite à une diacomaison le 3 mars, 14h30, chez Annette Bayon. C'est toujours maintenu. La prochaine réunion de prière œcuménique qui aura lieu le 4 mars à 19h à l'occasion de la journée de prière se passera, la journée mondiale de prière, se passera dans les locaux de l'Armée du Salut,
La liturgie de cette année a été préparée par les femmes d'Angleterre, du pays de Galles et d'Irlande, sous le thème « Je veux donner un avenir et de l'espérance ». Notre étude biblique de ce dimanche, à 14h30, nous conduira, avec la demande du Conseil synodal, à étudier le défi en tant qu'Église en matière de changement climatique. Et il y a quand même beaucoup de défis à relever. Le 26 mars, de 9h à 12h, assemblée de district au temple de Tournai. Ceux qui ont reçu la convocation ont vu que c'était le 26 février. Non, c'est le 26 mars. Le 27 mars, le lendemain, à 16h, au temple de pâturage, un culte d'action de grâce à l'occasion du 200e anniversaire de cette communauté. Et nous sommes bien sûr invités à y participer. Le 15 mai, à 22h, le 15 mai 2022, à 10h30, à 10h30, ne rigole pas toi. Donc je répète, le 15 mai 2022, à 10h30, nous aurons ici, en ce temple, notre séance académique à l'occasion du 150e anniversaire de la communauté. Je fais maintenant encore appel aux volontaires pour former un groupe d'organisation et de réception. Et dernière annonce, le 22 mai à 18h, nous aurons notre assemblée d'église annuelle, prenez-en note, à 15h. J'ai dit 18, c'est 15h. Bon, enfin. Il faut bien le faire rire. N'oubliez pas que la manne des opes est toujours dans le fond du temple, qu'il y a des affiches dans la salle avec des heures correctes, n'est-ce pas? Et pour en finir, je remercie notre frère Christian de nous avoir conduits dans ce culte. Et il n'a pas fini d'ailleurs. Voilà. Vous comprenez pourquoi on vous demande de prier pour nous, hein? Notre matière grise se raréfie. Alors, si vous le pouvez, vous êtes invités à vous lever pour la fin de ce culte. Et puis, notre dernier cantique se trouve à la page 506, numéro 3609, mais sur la musique du 3608. Jésus-Christ, tu nous envoies. Dans le temps, le prêtre qui parlait latin disait « Ite, missa est ». Ouais. Alors ceux qui ont fait un peu de latin savent qu'on peut le traduire de deux manières. La messe est dite, mais ça, on connaît son contexte, mais ça veut dire aussi « vous êtes envoyé » du verbe « mittere », n'est-ce pas, qui a donné « missionnaire », »,« mission ». ».« Continuez à progresser », écrivait toujours Pierre dans sa deuxième épître, continue à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le même Pierre ajoutait, mais dans sa première épître, que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Jésus-Christ, tu nous envoies. Première et quatrième strophe de ce cantique 3609.